Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Une cascade de mises à jour depuis hier soir. Comme vous avez pu voir dans le titre, iOS 15.2.1 finale pour tous, iOS 15.3 bêta 2 pour les développeurs et One UI 4 Android 12 pour certains Samsung. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, ça me permet un meilleur référencement. N'oubliez pas votre petit like. C'est important pour la chaîne et pour moi. On part tout de suite à la découverte de toutes ces mises à jour. C'est parti les amis. iOS 15.2.1, iOS est à jour. Hier soir, ça a été vraiment la cascade des mises à jour chez Apple. Ça fait un petit moment qu'Apple avait laissé tomber les mises à jour. Voilà donc, c'est chose faite, c'est réparé. On a une première mise à jour iOS 15.2.1 qui résout pas mal de problèmes. Alors dites-moi en commentaire si vous avez fait vous-même la mise à jour et si cette mise à jour vous a corrigé des problèmes ou si cette mise à jour vous a créé d'autres bugs que vous n'aviez pas auparavant. Alors on va ici dérouler dans cette vidéo les différents problèmes corrigés au niveau de cette mise à jour iOS 15.2.1. Dans un second temps, on va voir ensemble la sortie de iOS 15.3 bêta 2 en une soirée de mise à jour les unes derrière les autres. Plutôt sympa. Et on verra en fin de vidéo la toute nouvelle mise à jour One UI 4 Android 12. Allez, on part sur les nouveautés iOS 15.2.1. C'est parti. Alors, toutes les sources que vous allez entendre dans cette vidéo, ce sont des sources que je suis allé récupérer sur des sites aussi bien français que américains. Si vous-même, vous avez découvert d'autres nouveautés, si vous-même, vous avez découvert d'autres bugs, n'hésitez pas à nous les mettre en section commentaires pour partager, puisque sur la chaîne Vision High Tech, on partage sur iOS, sur Android et bien plus. Le premier correctif va concerner CarPlay. Certaines applications tierces ne pouvaient pas répondre au niveau des saisies. Avec cette mise à jour iOS 15.2.1, le bug est résolu. Aviez-vous remarqué ce petit bug côté iMessage? Alors, si vous receviez une photo via un lien iCloud, cela ne pouvait pas fonctionner. La photo ne pouvait éventuellement pas se télécharger ou se charger. Ça a été résolu dans iOS 15.2.1. Dites-moi si de votre côté, ce bug a été résolu. Cette mise à jour iOS 15.2.1 est vraiment une mise à jour corrective. Vous n'avez rien de transcendant dans cette mise à jour. Des corrections de sécurité pour HomeKit, des corrections de caméra pour HomeKit qui ont permis de résoudre donc des problèmes de ralentissement de votre iPhone, voire même de redémarrage, ce qui était très gênant pour certains utilisateurs. Apple les a corrigés dans cette version iOS 15.2.1. Voilà donc vraiment rien de bien impressionnant dans cette mise à jour. C'est une mise à jour qui résout pas mal de bugs. De votre côté, avez-vous donc rencontré d'autres problèmes de bugs? Alors j'ai Sébastien qui m'a contacté ce matin, qui depuis la dernière mise à jour iOS 15.2, il rencontre des problèmes d'allumage et d'extinction de son écran intempestif. Et malgré qu'il ait téléchargé et installé cette toute nouvelle mise à jour iOS 15.2.1, il rencontre toujours ce même problème. Il va tenter de restaurer son iPhone à neuf. Il me tiendra au courant. Dites-moi de votre côté, quel bug avez-vous rencontré auparavant? Avec cette mise à jour, trouvez-vous que votre iPhone tourne mieux? Est-ce qu'il est plus rapide? Cette mise à jour logiciel iOS 15.3 développé bêta 2, Apple Inc. On passe tout de suite donc à iOS 15.3 bêta 2. C'est tombé donc hier soir en même temps que iOS 15.2.1. Apple donc s'est acharné sur les mises à jour. Ces deux mises à jour qui ont été donc lancées en même temps ne vont concerner qu'une poignée de bugs qui ont été corrigés par-ci par-là. N'espérez pas donc d'avoir de gros changements dans ces deux versions. D'ailleurs, cette version iOS 15.3 bêta 2 n'est accessible actuellement qu'en bêta développeur. Elle n'est pas encore en bêta public. Installer bouton. Code 0 sur 6 valeurs. Installer bouton. Avertissement. Vérification de la MAJ. Allez, c'est parti pour la mise à jour. Je vous reprends tout de suite. Mise à jour logiciel, groupé, mise à jour logiciel, votre iPhone a été mis à jour vers iOS 15.3, bouton. Voilà donc, comme je vous ai parlé juste auparavant, avec cette version iOS 15.3 bêta 2, on a quelques corrections de bugs, dont celui de la caméra sous HomeKit, ce bug figé l'écran. Ce bug a été corrigé.
Côté accessibilité, rien de nouveau. Apparemment, Apple pour l'instant laisse tomber de ce côté-là. C'est vraiment dommage. Il y a quand même quelques bugs côté accessibilité qui n'ont toujours pas été corrigés. Dites-moi en commentaire ce que vous rencontrez vous-même de votre côté. Pour l'instant, rien de nouveau, rien de très intéressant sur cette version. Dites-moi de votre côté si vous avez rencontré des petites nouveautés, d'autres bugs que Apple n'aurait pas corrigés, ou si vous aviez des bugs qui ont été corrigés cette fois par cette version iOS 15.3 bêta 2. Rien de transcendant dans cette version, elle existe, iOS 15.3 vient d'être mise à jour en bêta 2. Je vous tiendrai au courant sur les prochaines versions, donc n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on va passer tout de suite les amis, et là vous allez voir, vous allez être très surpris. Samsung passe la vitesse supérieure, passe sous Android 12. One UI 4, là on va avoir du lourd, des nouveautés en cascade sous Android 12 avec vos Galaxy Samsung, le S20 Ultra, le A52, le Galaxy Fold 2, Fold 3. On regarde ce que cette mise à jour vous apporte sur votre Samsung. C'est parti. Et nous voici donc en présence du Galaxy S20 Ultra. Il va maintenant bénéficier de la dernière mise à jour One UI 4 Android 12 avec toutes les nouveautés Android 12 que Samsung nous prévoit. Et là c'est vraiment du lourd les amis, c'est vraiment top. On regarde tout de suite ce que va apporter cette mise à jour. Mise à jour du logiciel, nouveauté. Découvrez ce que cette mise à jour inclut. Mise à niveau vers One UI 4 Android 12. Mise à jour prête pour l'installation. Votre téléphone va redémarrer après l'installation de la mise à jour. One UI 4 vous apporte une large gamme de nouvelles fonctions et d'améliorations pour vos appareils Galaxy. Plus intuitif, plus amusant, plus sécurisé et plus facile que jamais. Découvrez les modifications ci-dessous. Palette de couleurs. Personnalisez votre téléphone avec des couleurs uniques selon votre papier peint. Vos couleurs seront appliquées au menu, touche, arrière-plan et application sur tout votre téléphone. Confidentialité. One UI 4 offre une forte protection de la confidentialité pour garantir que vos informations personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Infos sur les autorisations en un coup d'œil. Voyez quand chaque application accède à des autorisations sensibles telles que la localisation, l'appareil photo ou le microphone dans l'utilisation des autorisations. Vous pouvez refuser les autorisations pour toutes les applications avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Indicateur de l'appareil photo et du microphone. Protection contre les yeux et les oreilles indiscrets. Un point vert apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran lorsqu'une application utilise l'appareil photo ou le microphone. Vous pouvez également utiliser les commandes du volet des raccourcis pour empêcher temporairement toutes les applications d'utiliser l'appareil photo ou le microphone. Localisation approximative. Conservez votre localisation exacte confidentielle. Vous pouvez paramétrer les applications qui n'ont pas besoin de connaître votre localisation exacte, de sorte qu'elles auront uniquement accès à votre zone générale. Protection du presse-papier. Conservez en sécurité vos mots de passe, numéro de carte de crédit et autres informations sensibles. Vous pouvez choisir de recevoir une alerte chaque fois qu'une application accède au contenu copié dans le presse-papier d'une autre application. Clavier Samsung. Plus qu'un simple outil de saisie, le clavier Samsung permet de s'exprimer et de s'amuser. Accès rapide aux gifs, aux emojis et aux autocollants. L'expression de soi est à portée de main. Accédez à vos emojis, gifs et autocollants directement à partir du clavier avec une seule touche. Paire d'emojis animés, vous n'arrivez pas à trouver le bon emoji, combinez deux emojis, puis ajoutez une animation pour vraiment faire passer vos sentiments. Toujours plus d'autocollants. Agrémentez vos conversations avec une variété de nouveaux autocollants animés à télécharger. Assistant d'écriture, plus de soucis de grammaire ni d'orthographe grâce au nouvel assistant d'écriture, fourni par Grammarly, seulement en anglais. Écran d'accueil. Tout commence sur l'écran d'accueil, où vos applications et fonctions préférées sont à portée de main. One UI 4 vous aide à garder votre écran d'accueil au top tout le temps. Nouveau design de widget. Les widgets ont été repensés pour être plus beaux que jamais, avec des informations visibles en un coup d'œil et un style plus cohérent. Sélection de widgets plus facile. Vous avez des difficultés à trouver le bon widget, vous pouvez maintenant faire défiler rapidement la liste des widgets pour voir ce qui est disponible à partir de chaque application. Vous recevrez également des recommandations de widgets utiles à essayer. Écran de verrouillage. Utilisez des widgets pour gérer des tâches rapides sans déverrouiller votre téléphone, comme contrôler votre musique, vérifier votre programme ou capturer vos meilleures idées. Écoutez où vous voulez changer la sortie audio des écouteurs vers les haut-parleurs de votre téléphone, le tout à partir
de l'écran de verrouillage. Enregistreur vocal, vous avez une idée géniale. Enregistrez un mémo vocal sans déverrouiller votre téléphone. Calendrier et programme en même temps. Consultez le programme d'aujourd'hui et votre calendrier pour le reste du mois sur l'écran de verrouillage. Appareil photo. L'affichage a été simplifié lors de la prise de photos et de vidéos. La touche de l'optimiseur de scène n'apparaît en mode photo que si la lumière est faible ou si vous scannez un document. Les paramètres des modes portrait et nuit sont désormais mieux placés et plus intuitifs. Objectif et zoom. Les icônes des objectifs indiquent le niveau d'agrandissement. Vous pouvez donc savoir à quel point vous zoomez. Des vidéos qui ne manquent pas une seconde de l'enregistrement commencent immédiatement après avoir appuyé sur la touche enregistrer, au lieu du moment où vous la relâchez, de sorte que vous saisissez ces précieux moments avant qu'ils ne disparaissent. En mode photo, vous pouvez toucher et maintenir enfoncé la touche obturateur pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo rapide. Puis faire glisser votre doigt sur l'icône verrouillage pour continuer l'enregistrement sans maintenir l'obturateur enfoncé. Ajoutez quelques secondes à vos single take. Ajoutez 5 secondes supplémentaires aux captures du single take afin de ne pas rater un moment, même si celui-ci se prolonge. C'est également plus facile de sélectionner ce que vous voulez capturer. Photographie professionnelle. Gardez le contrôle avec les nouveaux paramètres des modes pro et vidéo pro. Le look plus épuré vous aide à vous concentrer sur la prise de vue, et les nouveaux indicateurs de niveau ajoutés aux grilles vous aident à garder les prises équilibrées. Scan améliorer. Scanner des documents, puis appuyer sur la loupe pour zoomer et les modifier immédiatement. Vous pouvez également faire plus après avoir scanné les codes QR, comme appeler quelqu'un ou envoyer un email au lieu de simplement ajouter leurs coordonnées à votre téléphone. Portrait d'animaux de compagnie. Prenez de belles photos de vos amis poilus avec divers effets de portrait. Le mode portrait fonctionne désormais avec les chats et les chiens sur les appareils photo avant et arrière. Certains effets de portrait ne peuvent être appliqués qu'après avoir pris l'image. Galerie. Que vous ayez des milliers d'images et de vidéos ou seulement quelques moments précieux, la galerie vous aide à trouver ce dont vous avez besoin et à organiser votre collection. Histoires améliorées. Regardez vos histoires prendre vie avec les vidéos de moments forts qui sont créées automatiquement. Appuyez simplement sur l'aperçu en haut de chaque histoire pour la regarder. Vous pouvez également explorer où les images de vos histoires ont été prises dans la nouvelle vue carte. Albums plus faciles. Trier les albums plus facilement, même s'ils contiennent des tas d'images. En fait, vous pouvez trier des albums en fonction du nombre d'images et de vidéos qu'ils contiennent afin que vos albums favoris et les plus utilisés soient toujours en haut de la liste. Une image sur l'écran externe apparaît également en haut de l'écran lorsque vous affichez un album pour vous donner une idée de ce qu'il contient. Remastering. Sans souci, retournez les images remasterisées à leur version originale à tout moment, même après les avoir enregistrées, de sorte que vous n'avez jamais à vous soucier de perdre l'original. Plus de contrôle sur les informations modifiées ou supprimées. La date, l'heure et la localisation de vos images pour les modifier ou les garder privées. Vous pouvez également sélectionner plusieurs images et modifier leurs informations en même temps. Éditeur de vidéos et de photos. Parfois, vos photos et vos vidéos ont besoin de quelques retouches. Les éditeurs de vidéos et de photos de OneUI sont conçus pour améliorer vos images avant de les partager. Emojis et autocollants. Utilisez un emoji pour couvrir le visage d'un ami timide ou ajoutez des autocollants pour créer des images et des vidéos amusantes. Collage de vidéos. Faites des collages animés qui comprennent des images, des vidéos ou une combinaison des deux. Choisissez les moments parfaits et créez votre chef-d'œuvre. Commande d'éclairage. Image trop sombre à cause d'un mauvais éclairage, la nouvelle fonction d'équilibre de la lumière vous aide à retirer tous les détails pour la rendre belle. Réel de moments forts. Transformez facilement un groupe d'images et de vidéos en un beau film. Il suffit de choisir un thème, et lui ajoute automatiquement la musique et les transitions. Ne jamais perdre l'original. N'ayez plus peur de modifier vos images. Vous pouvez maintenant rétablir les images et les vidéos dans leur version originale après les avoir enregistrées ou les enregistrer sous forme de copie pour conserver les versions originales ainsi que les versions modifiées. Coller d'une image à l'autre. Amusez-vous à mélanger des visages, des animaux de compagnie, des bâtiments et plus encore. Vous pouvez couper n'importe quel objet d'une image et le coller dans une autre. AR emoji. Utilisez vos emojis personnels pour pimenter vos messages, faire des vidéos amusantes et plus encore. Vous pouvez créer une version numérique de vous-même, ou essayer un look différent. Les possibilités sont infinies. Améliorez votre profil. Utilisez un AR emoji comme image de profil dans les contacts et le compte sans swing. Vous pouvez choisir parmi plus de 10 poses ou créer vos propres expressions. Autocollant de visage. Prenez la place de votre emoji avec de nouveaux autocollants représentant le visage de votre emoji. Amusez-vous à décorer vos photos et à les partager avec vos amis. Dansez toute la nuit. Faites des vidéos de danse cool avec vos AR emoji. Choisissez des modèles de 10 catégories différentes, notamment amusant, mignon et fête. Créer ses propres vêtements. Vous avez toujours voulu être styliste?
Vous pouvez maintenant utiliser vos propres dessins pour créer des vêtements uniques pour vos AR Emoji. Partage. OneUI vous aide à rester connecté et à partager vos expériences avec les autres. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Partager dans n'importe quelle application. Plus de personnalisation, personnalisez vos partages. Vous pouvez personnaliser la liste des applications qui s'affichent lorsque vous partagez du contenu pour ne pas surcharger votre écran et vous concentrer uniquement sur les applications que vous utilisez régulièrement. Navigation plus facile, la nouvelle disposition et une meilleure navigation facilitent le partage. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les applications et les contacts lorsque vous partagez. Partage de photos lorsque vous partagez une image qui n'est pas géniale, qu'elle soit floue ou mal cadrée, nous vous le disons et vous donnons des suggestions pour la corriger. Calendrier. C'est encore plus simple avec OneUI 4 d'organiser votre vie bien remplie. Vérifiez votre programme sur l'écran d'accueil. Un nouveau widget affiche votre programme pour la journée avec un calendrier complet pour le mois. Ajoutez rapidement des événements. Vous avez besoin d'ajouter quelque chose à votre calendrier rapidement. Saisissez simplement un titre et c'est terminé. Plus d'options de recherche. Vous avez de plus en plus de moyens de trouver vos événements dans le calendrier. Choisissez à partir de mots-clés de récentes recherches ou de filtres par couleur ou autocollants. Partagez avec les autres parfois, vous devez garder les autres au courant. Désormais, c'est plus facile de partager vos calendriers avec les utilisateurs de Galaxy. Sélection plus facile de la date et de l'heure. Définir les détails de l'événement est un jeu d'enfant avec des options de date et d'heure séparées. Récupérer les événements. Supprimer les événements que vous supprimez resteront dans la corbeille pendant 30 jours afin que vous puissiez les récupérer si vous en avez besoin. Samsung Internet. Avec le navigateur web rapide et sécurisé de OneUI, il est désormais plus facile de trouver les pages web que vous cherchez et de protéger votre confidentialité. Suggestions de recherche. Obtenez plus de suggestions de recherche lorsque vous saisissez du texte dans la barre d'adresse. Les résultats apparaîtront avec un tout nouveau design. Recherchez à partir de l'écran d'accueil. Le nouveau widget de recherche vous aide à trouver ce que vous cherchez à partir de l'écran d'accueil. Démarrez en mode secret pour protéger votre vie privée. Samsung Internet démarra automatiquement en mode secret si vous utilisiez le mode secret lors de votre dernière session de navigation. Maintenance de l'appareil. Consultez les performances, la sécurité et l'autonomie de votre téléphone en un coup d'œil. Résolvez les problèmes rapidement et obtenez des diagnostics approfondis pour des problèmes plus complexes. Batterie et sécurité en un coup d'œil. Les problèmes de batterie et de sécurité apparaissent directement sur l'écran principal afin que vous puissiez résoudre les problèmes plus rapidement. Comprendre l'état général de votre téléphone. L'état général de votre téléphone est affiché comme un emoji, ainsi vous pouvez comprendre immédiatement. Vérification diagnostic. Vous pouvez maintenant accéder directement au diagnostic des membres Samsung à partir de maintenance de l'appareil. Si quelque chose ne va pas avec votre téléphone, essayez les tests de diagnostic pour savoir quel est le problème et obtenir des suggestions pour le résoudre. Samsung et Alt. Gérez toutes vos données de santé en un seul endroit et commencez à prendre de nouvelles habitudes pour améliorer votre avenir. Faites le suivi de votre exercice, de votre sommeil, de votre consommation alimentaire et plus encore. Avec OneUI 4, c'est plus facile que jamais. Un tout nouveau design, vos données importantes sont à portée de main. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main grâce aux quatre onglets au bas de l'écran. Ma page, obtenez un récapitulatif de votre état de santé, de vos accomplissements, de vos records personnels et de votre progression dans l'onglet Ma page. Des défis avec vos amis. Lancez un défi de groupe est plus facile que jamais. Invitez des amis en envoyant un lien. Plus inclusif, les options du genre sont plus inclusives. Vous pouvez maintenant choisir autre ou je préfère ne pas répondre. Plus d'options sur l'alimentation. L'enregistrement de votre consommation alimentaire est plus facile avec plus d'encas ajoutées à l'outil de suivi alimentaire. Bixby Routine. Demandez en plus à votre téléphone. Activez automatiquement le Wi-Fi lorsque vous rentrez chez vous ou paramétrez votre téléphone en mode silencieux lorsque vous êtes au travail. OneUI 4 vous donne toujours plus de possibilités. Plus de conditions sont disponibles pour vos routines. Démarrez une routine pendant un appel ou lorsqu'une certaine notification arrive. Plus d'actions. Vous pouvez maintenant activer le traitement amélioré avec une routine. Il existe également des options supplémentaires telles que la connexion et la déconnexion d'appareils en Bluetooth. Plus de contrôle. Réorganiser les actions en appuyant et en restant sur les actions de la page de modification. Des options avancées ont également été ajoutées pour vous permettre d'attendre avant qu'une action ne commence, de confirmer les actions, et plus encore. Plus de combinaisons. Nous avons supprimé les restrictions pour certaines combinaisons de conditions et d'actions afin que vous puissiez faire encore plus avec vos routines. Plus de personnalisation. Créez des icônes personnalisées pour vos routines en utilisant l'appareil photo ou une image de la galerie. Accessibilité. OneUI est conçu pour tout le monde. Dans OneUI 4, vous aurez des options supplémentaires pour vous aider à utiliser votre téléphone de la manière la plus pratique pour vous.
Toujours là, quand vous en avez besoin, accédez plus rapidement aux fonctions d'accessibilité grâce à une touche flottante toujours disponible. Mouvement de la souris, effectuez des actions plus rapidement en déplaçant le pointeur de la souris vers l'un des quatre coins de l'écran. Réglez votre écran en une fois, réglez le contraste et la taille en même temps avec le mode d'affichage personnalisé, contraste élevé ou grand écran. Confort des yeux, plus d'options de visibilité sont disponibles pour répondre à vos besoins. Vous pouvez réduire la transparence ou le flou. Écran extra sombre, si votre écran est trop lumineux, même au réglage de luminosité le plus bas, activez l'option extra sombre pour une lecture plus confortable dans l'obscurité. Notification flash personnalisable, faites clignoter l'écran lorsque vous recevez une notification. Vous pouvez personnaliser les couleurs de chaque application afin de déterminer facilement d'où vient une notification. Agrandissement plus facile, la fenêtre de la loupe a été fusionnée avec le nouveau menu agrandissement, ce qui vous donne des options supplémentaires et plus de contrôle pour agrandir le contenu à l'écran. Plus de fonctions et d'améliorations. Amélioration du mode Allouez en display, ne manquez jamais une notification. Vous pouvez maintenant activer Allouez en display chaque fois que vous recevez une notification. De nouveaux autocollants animés sont également disponibles pour garder votre Allouez en display à la page. Amélioration du mode sombre pour votre confort dans l'obscurité. Le mode sombre réduit automatiquement la luminosité des fonds d'écran et des icônes. Les illustrations dans Samsung Apps disposent maintenant de versions en mode sombre avec des couleurs plus sombres pour une expérience plus cohérente et plus douce pour vos yeux. Information de chargement en un coup d'œil, lorsque vous commencez à charger votre appareil, plusieurs effets visuels vous permettent de connaître votre vitesse de chargement de façon plus intuitive. Contrôle de la luminosité plus facile, une barre de luminosité plus grande dans le volet des raccourcis facilite le changement de luminosité de l'écran d'un simple balayage. Vidéo de démonstration, des conseils en savoir plus sur ce que votre Galaxy peut faire avec les vidéos de démonstration sur l'écran principal de l'application conseil. Menu sécurité urgence, le nouveau menu sécurité urgence dans paramètres vous permet de gérer vos contacts d'urgence et vos informations de sécurité au même endroit. Améliorations apportées à la recherche des paramètres grâce à l'amélioration des fonctions de recherche. Vous trouvez les paramètres dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Vous obtiendrez des suggestions de fonctions connexes en fonction de ce que vous recherchez. Ne pas quitter la route des yeux, le nouvel écran conduite dans bien-être numérique vous permet de suivre quand vous utilisez votre téléphone pendant que vous conduisez. Vous obtiendrez des rapports sur le temps passé à utiliser votre téléphone et les applications que vous avez utilisées. Ignorez une alarme juste pour une fois, besoin de dormir plus longtemps, vous pouvez maintenant désactiver une alarme juste pour une fois. Celle-ci se réactivera automatiquement après l'avoir ignorée. Jour ou nuit, en un coup d'œil, vous avez un ami à l'autre bout du monde, c'est plus facile de savoir si c'est le bon moment pour les contacter. Le widget à double horloge affiche maintenant différentes couleurs d'arrière-plan pour chaque ville selon que c'est le jour ou la nuit. Permuter des SMS vers les appels. Les SMS ne suffisent pas. Appuyez sur le nom de la personne en haut de la conversation pour voir ses coordonnées ou pour démarrer un appel vocal ou visio. Plus de résultats de recherche dans messages. Vous pouvez maintenant rechercher dans vos messages des photos, des vidéos, des liens web et plus encore. Les résultats sont tout filtrés afin que vous puissiez accéder directement à ce que vous cherchez. Recherche plus facile dans mes fichiers. Trouvez le fichier que vous cherchez, même s'il y a une faute de frappe ou si le nom ne correspond pas exactement. La zone fichier récent a également été développée pour vous aider à localiser rapidement les fichiers que vous avez utilisés ou reçus récemment. Expérience de bureau plus complète. Plus d'applications sont redimensionnables dans Samsung Dex, de sorte que vous pouvez jongler plusieurs tâches et accomplir plus de choses dans une journée. Vous pouvez également modifier la direction de défilement du pavé tactile dans les paramètres Dex pour correspondre à vos préférences personnelles. Amélioration des volets latéraux. Gardez votre application actuelle visible en utilisant les volets latéraux. Le flou a été supprimé pour vous aider à en voir plus en une fois. Picture in picture redimensionnable. Si une vidéo flottante vous gêne, pincez vos doigts ensemble pour la rendre plus petite. Vous voulez mieux voir? Écartez les doigts pour l'agrandir. Accès rapide aux options de fenêtre pop-up pour faciliter le multitâche. Vous pouvez épingler le menu des options de la fenêtre en haut de la fenêtre pour faciliter l'accès. Certaines applications devront être mises à jour séparément après la mise à niveau de One UI 4. Aïe 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 aïe. Que de mises à jour, que de nouveautés dans Android 12 One UI 4 de chez Samsung. Android 12 va me donner du travail. Alors si vous ne voulez rien rater dans les prochaines vidéos Android 12 sur Samsung, avec tout ce que vous venez d'entendre, accessibilité, sécurité, photos, nouveautés, messages, etc. Alors abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur Android 12, voire même sur les nouveautés
One UI 4. Oi. Là, j'hallucine sur le nombre de nouveautés. iOS 15.3 et l'iPhone n'a qu'à bien se tenir, car là, je pense que on va découvrir ensemble toutes ces nouveautés énormissimes, excellentes. C'est fou, c'est dingue, c'est sur Vision High Tech. À bientôt les amis, portez-vous bien. Salut à tous.